Comme ennuyé, yon jou yon histoire en conseil avec un psychologue Simon. Eh bien, ou même, kap gade vidéo ça, ou c'est un monde qui riche, ou c'est un monde qui riche, ou pas connaît ça. Comment on parle fait qu'on est, ou c'est un monde qui riche, c'est un monde qui béni, que ou yé, ou gen yon richesse, que ou pas jamais valoriser. Eh bien, te gen monsieur, monsieur ça, li gen 70 ans. 70 ans, li toujours en bonne santé. Li dou kon sa, pendant 70 ans ça, li pa jam al couché l'hôpital yon jou. Eh bien, gen yon jou ki rive, monsieur a gen yon malaise, li pa senti bien. Li pa ka fè pipi et li pa ka respirer. Il a des difficultés pour lui respirer. Il est allé à l'hôpital en urgence. Eh bien, après tant, il est passé à l'hôpital là, dans l'oxygène, et puis le médecin a utilisé des procédures pour lui capable de faire pipi. Le monsieur ça, arrivé pour lui exéater, pour lui retourner à la caille, il a balayé une facture. Monsieur ça a tombé crié. Pendant qu'elle a crié, monsieur deux consolé. Eh bien, monsieur m'a dit, mais comment qu'a aidé ou? Qui ça qui a gagné? Est-ce que c'est pour facture ou pas qu'a payé qui fait crier comme ça? Monsieur a continué à crier, Monsieur a dit, mais non, comment qu'a aidé ou? Est-ce que vous pas qu'a payé? Comment on a fait pour nous aider ou? Dans cette situation ça. Monsieur a dit non. Docteur, c'est pas parce que je ne peux pas payer le nom. C'est pas parce que je n'ai pas l'argent pour me payer le nom. Mais je me suis songé. Pendant toute année passée, ça, pendant 70 ans, je ne suis pas jamais malade. Dans le niveau ça. Et puis c'est qu'on y a. Je suis malade. Tout pendant 70 ans, ça, je suis respiré. Moi pas jumpé yon goud. Moi t'a fait pipi. Fait tout besoin que me gagne. Moi pas jumpé yon goud. Yon dollar même. Et puis qu'on y a pour moi quantité cob. Pendant quelques minutes que moi pas qu'à respirer, moi pas qu'à faire pipi. Et bien garder quantité cob pour me payer. Tandis que me fait 70 ans. Je ne peux pas payer un goud. Imaginez-vous, en on garde pour un monde qui n'a oxygène, l'air ça qui va inspirer, qui va rentrer, on fait inspiration. Est-ce que vous avez l'argent pour te payer? Ou pas avez l'argent pour te payer? Imaginez-vous. Pendant une minute, quantité l'air qui est absorbé pendant une minute. Parce que chaque inspiration classique que on monde fait, un adulte qui est en bonne santé, eh bien, il vaut 0,5 litres d'air. Eh bien, qu'on sait tout. Exercice ça, l'y répéter au moins 16 fois par minute. L'on fait inspiration, ou râler l'air, oxygène dans l'entrée. Répétition en fait, au moins 16 fois par minute. Ça veut dire, pendant 24 heures, exercice l'en fait environ 23 000 fois. Et, l'on regarde des quantités d'air qui ont absorbé pendant 24 heures, qui égale environ 12 000 litres d'air qui ont absorbé environ pendant 24 heures. Imaginez-vous, pour gagner 70 ans, ou bien n'importe l'âge que vous gagnez, vous avez évalué combien de coûts vous avez gagné pour payer pour l'oxygène que vous jouez, que vous n'avez pas payé un goutte pour ça. Ou pas payer pour ça.
tout besoin qu'il a fait, chaque fois levé, ou capable de respirer, ou dit bon Dieu merci parce qu'il a envie. Mais est-ce que vous avez une seconde ou une minute, le lever matin, pour remercier bon Dieu, pour dire merci parce que ou en vie toujours. Dit bon oxygène, ou inspirer, ou expirer, ou faire respiration. C'est un gros merveille. C'est un mécanisme que vous utilisez, que vous pas payé pour ça. Son cadeau, son grâce. Mais est-ce que j'en prends temps pour prier, pour dire bon Dieu merci pour cadeau ça, pour grâce ça, qui m'a payé en rien pour lui, chaque jour m'a bénéficié. Ou même si on monde qui riche, qui ou yé, ou riche. En plus, il faut dire, ah, m'a gagné quoi, m'a pas travail, moi son monde qui pauvre. Eh bien, ou pas connaît richesse qui ou gagné la carrière. Ou grand pile monde qui milliardaire, qui gagne pile l'argent. Eh bien, cap dépenser en pile l'argent l'hôpital seulement pour capable joindre oxygène. Pour joindre oxygène, pour joindre l'air ça qui ou même ou pas payé pour lire. Apprendre la prière. Apprendre prendre temps pour prier, pour dire bon Dieu merci pour grâce. Est-ce que j'en prends temps pour prier? Est-ce que j'en fais ça? Un homme instruit disait, la meilleure chose qu'un homme peut faire pour son semblable est de lui apprendre à penser. La meilleure chose qu'un homme peut faire pour son semblable est de lui apprendre à penser. Mais le chrétien dit, la meilleure chose qu'un chrétien peut faire pour un autre chrétien est de lui apprendre à prier. La prière, c'est clé qui a ouvert toute porte. Mais comment nous devons prier? Comment devons-nous prier? Est-ce que nous devons prier même avec pharisiens, yo, monde qui a fait semblant, qui a montré qu'ils ont prié pour faire mon ouais? Nous devons prier avec persévérance. Nous ne devons jamais abandonner. Nous devons continuer à prier. En plus, il faut aller nous prier pour un bagage que nous avons besoin. Et puis, nous être 2-3 jours passés, 2-3 mois passés, ou même années passées. Nous pouvons jouer une solution à deux modes noirs. Nous décourager. Parfois, bon Dieu, passe un test pour loin. Est-ce que vous avez découragé? Est-ce que vous avez abandonné? Eh bien, ou de continuer à prier, ou par exemple de abandonner. Qui côté qu'a prier? N'importe côté, la caille, l'église, dans la rue, même si ou occupé, ou a fait un travail, ou qu'a prier, ou dans la rue, ou a marché, ou a prier, ou dans le travail, ou a prier, ou a fredonner dans le cœur. Ou a prier, la prière, c'est nourriture spirituelle liée pour un croyant, pour un même qui est chrétien, c'est nourriture qui est liée. Même gens, ils ont un véhicule. Nos machines utilisent essence, ils utilisent gaz pour fonctionner. Nous-mêmes, la prière, c'est ce qui énergie nous, c'est ce qui est là pour réconforter nous, pour fortifier nous, pour capable retirer toute peur que nous gagnons, toute crainte que nous gagnons, lui permettre que nous capables lutter dans vie ça, la prière. Et nous-mêmes, nous devons prier avec la foi. Nous devons prier avec sincérité. Nous devons prier avec la foi. Nous devons prier avec sincérité. Là, nous parlons de prier avec la foi. Gondam, qu'à l'église, et puis là, tant de prêches là, pasteur qui a prêché, pasteur a dit bon, si vous avez la foi, vous avez prié, vous avez déplacé en montagne. Mesdames, la Kali, il était en montagne, qui était barré, fenêtre liée, il n'y a pas carré la mer. On la mer tout près, hein? Dame là, on monte la barrel, li pa kawe la mer, li ap gade nan fenèt la kayli. Li passe une nuit à prier, li di demain matin, faut monte ça disparaître pour li kapab gen belle vue, pour li kapab gade la mer pendant qu'il nan fenèt la kayli.
li prier prier le lever matin bonheur là regarder dans fenêtre là li voit montagne là la pi red il dit ah m'te que t'en connais montagne ça pas t'ap déplacer voyez montagne ça t'il là pas t'ap déplacer voyez ça c'est un monde qui fait en prière sans foi et en prière sans foi pas ka exaucer c'est en prière avec la foi cap exaucer parce que dame nan pensel li te getan di li te getan kwè li te getan gen doute que même si li prier montagne la pa déplacer et bon dieu qui omniscient li te getan konnè dame nan douté li dame nan pa gen la foi li fait en prière sans la foi et bien prier ça pas ka exaucer en pile fois n'a prier n'a mandé un bagay depuis que bagay la poko réalisé nous décourager nous abandonner nous pas continuer eh bien ou dwi continuer ou dwi persister le va prier parce que si toutefois ou pas persister ou pas prier avec la foi ou pas prier avec persévérance ou pas prier avec sincérité ou prier juste pour faire mon ouais pour faire amis ouais pour faire famille ouais eh bien prier ou pas exaucer apprendre la prière apprendre parler avec papa bon dieu c'est en aussi en petite qu'a parler avec papa la prière c'est communication avec bon dieu la prière c'est une demande qui aura fait à bon dieu il y a une façon pour faire demande là il y a une façon pour adresser au eh bien qui secret qui t'est gagné dans Daniel secret qui t'est gagné dans Daniel c'est la prière qu'il était Eli c'est moun sa ou c'est moun qui te kon prier en pile 3 fois par jour il a prié et bien c'est secret ça qui t'est gagné dans moun sa ou qui t'est marqué moment moun sa ou toujours prier parce que on est solution secret c'est dans la prière qu'il est pour qui ça ou même ou pas jamais prier pour qui ça ou toujours sentir occupé pour prier ou toujours occupé ou toujours gon barrer ou fait ou pas jamais prendre temps pour bailler bon Dieu gloire, pour prier, pour bon Dieu, pour le continuer bénir, pour tout ça qu'il fait pour vous-même. Ou qu'il ne doit pas gagner machine, ou qu'il ne doit pas gagner belle caille, eh bien, ou gagner la santé. Bon Dieu, bah, ou la santé, ou gagner l'oxygène, ou posséder une richesse que vous-même ou pas valoriser. Apprendre la prière, même Jean, disciples demandé Jésus pour lui apprendre à prier et Jésus t'a apprendre notre Père. Même Jean-Baptiste t'a apprendre disciples la prière et disciples Jésus tout, il t'a demandé Jésus pour lui apprendre la prière parce que tu connais qu'il y a un secret là-dedans. Pour que ça ou même pas avait découvert ce secret ça qui gagne dans la prière. Eh bien, c'était Frère Simon Vilsius, le psychologue, qui t'a fait un petit ensemble avec vous, en tant qu'un chrétien, un monde qui croit dans le bon Dieu, eh bien, nous te voulons parler de l'importance qui gagne dans la prière, ou même si un monde qui est riche, qui est oublié, mais on ne connaît pas ça, on ne valorise pas ça, apprendre à valoriser la richesse qui gagne la caillou, ou qui a plus de richesse la caillou, utiliser la prière, ou découvrir toute richesse que vous gagnez à caillou laisse ça ou connaît grandeur bon Dieu l'air que vous communiquez avec lui l'air que vous dialoguez avec lui l'air que vous humiliez ou baissez au bien bas devant bon Dieu pour capable humilier et puis la vie de grâce lui sur vous-même la protéger à toute famille la guider toute porte qui était fermée pour bien pour ouvrir ou libérer ou délivrer. Eh bien, laisse à tout le monde pour le saisir. Tout le monde a dit, oh, ah, ou découvrir ce créa. Ce créa, c'est la prière qui est liée. Priez tout le temps, priez sans cesse. Que bon Dieu béni. Partagez vidéo ça pour plus de monde. Que bon Dieu béni. Psychologue Simon.